Salut à tous et à toutes les amis, c'est Wake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, ça fait très longtemps, mais très longtemps qu'on s'est pas vu. Je vous le dis officiellement les gars, aujourd'hui je reprends les vidéos sérieusement. Je sais que je dis ça énormément de fois, mais aujourd'hui c'est la bonne. Donc vraiment, on se retrouve maintenant tous les jours. Bref, en tout cas si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, on est une chaîne d'information Fortnite. Et voilà, si tu veux rien louper, que ce soit des informations sur Fortnite, etc. En plus du nouveau contenu va arriver sur Fortnite, autre des informations, et ben n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer la vidéo? On met un petit pouce bleu les gars pour mon retour et pour mon retour sur YouTube les gars, et cette fois-ci c'est la bonne. Je vais vous demander un comptage de 300 likes pour cette vidéo. Je sais que vous pouvez le faire, et si on a 300 likes cette vidéo, et ben je vous réserve une petite surprise. Et le mini jeu du jour, on va pas l'oublier cette fois-ci les gars, et sincèrement ça fait très longtemps et je sais que vous aimez ça. Les gars, dites-moi combien de top 1 avez-vous depuis le pass de combat saison 10? Est-ce que vous avez 5 top 1 depuis le pass de combat saison 10? Est-ce que vous avez 10, 15, 20, 30, 40, 80, pourquoi pas? Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire. Et maintenant, on va passer au vrai sujet de la vidéo. Et la première information qu'on va parler dans cette vidéo, les gars, en septembre, normalement, il va avoir une nouvelle emote dans la boutique Fortnite. Donc, dans septembre, novembre, je sais pas encore ça va arriver. Mais normalement, ça doit arriver en septembre ou en novembre. Tout simplement, l'emote Naruto Run. Alors, je vous le mets directement à l'écran. Donc, pourquoi on va avoir ce genre d'emote? Parce que tout simplement, je sais pas si vous avez entendu, je pense que vous connaissez la zone 51. Et ben, tout simplement, 1 million de personnes, oui, plus de 1 million. De personnes doit aller visiter la zone 51, alors c'est interdit les gars, pour essayer de passer. Donc vraiment ça va parler de tout ça un peu dans la télé, etc, etc. Ça va faire un événement j'ai envie de dire. Et en plus vous connaissez Fortnite, quand il y a quelque chose qui est assez connu dans le monde réel, et ben il intègre sur Fortnite les gars. Donc sincèrement ça m'étonnerait même pas que le Naruto Run vient sur Fortnite Battle Royale. Et ça serait vraiment super cool. Tous les fans de Naruto, et ben ils seront servis. Et en plus ça sera une emote super cool, j'en suis sûr. La deuxième chose que je voulais vous montrer, et là c'est un concept, et là les gars vous allez kiffer, j'en suis sûr. Les gars, quand on fait un top 1, on est satisfait, c'est vrai, mais on n'a pas vraiment de récompense majeure, on va dire ça comme ça. Est-ce que ce serait pas kiffant les gars, quand on fait un top 1, on choisit sa récompense? Donc par exemple on a le droit à 10 étoiles pour passe de combat, soit 1000 XP avec les amis, ou soit 50 V-Bucks. Bon, peut-être pas 50 V-Bucks, mais genre 10 V-Bucks, 25 V-Bucks. Est-ce que ce serait quand même pas plutôt cool? Ça rajouterait un objectif à faire sur le jeu. Que voilà, tu fais un top 1, voilà, t'es satisfait et tu recommences. Alors que là, quand tu fais un top 1, tu pourras choisir une des trois récompenses. Et pourquoi pas, dans l'avenir, rajouter des nouvelles récompenses. Ça serait plutôt cool. Fortnite, je vous donne une idée là. En plus, vraiment, les joueurs, ils attendent ça avec impatience. Dites-le-moi dans l'espace commentaire cette idée. Est-ce que vous aimeriez avoir ça sur Fortnite ou non? Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire. Je compte sur vous. Et la troisième chose que je voulais vous montrer. Et là les gars c'est quelque chose que vous allez kiffer. Normalement c'est une chose qui doit arriver sur Fortnite depuis le pass de combat saison 8, mais on n'a encore aucune nouvelle. Je vous le mets directement à l'écran. Tout simplement ce serait une application seulement le shop Fortnite. Donc voilà, imaginons tu te lèves le matin, t'as pas le temps de te connecter à Fortnite, voir ce qu'il y a dans la nouvelle boutique. Tu dois aller en cours ou je sais pas quelque chose, tu dois aller au travail ou quoi. Et bah voilà, tu télécharges l'application Fortnite boutique, voilà, pas le jeu seulement boutique. Tu mets ton compte et tu peux acheter directement la chose de ton choix sur ton téléphone ou voir la boutique dès le matin sans te connecter à Fortnite. Normalement c'est quelque chose qui devait arriver dans le pass de combat saison 8, mais qui n'est toujours pas arrivé. Mais normalement c'était quelque chose qui devait arriver depuis le pass de combat saison 8. On est au pass de combat saison 10 quand même. Et j'aimerais voir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou non? Perso moi je trouve que c'est une super bonne idée. Comme ça on n'a pas besoin de se connecter au jeu, voir la file d'attente, etc. Là t'as juste à cliquer sur un bouton Fortnite mobile et tu vois la boutique. Et si t'as envie d'acheter t'achètes, si t'as envie de voir les personnes qu'il y a dans la boutique, et bah tu les achètes ou pas. Et maintenant on va passer au vrai sujet de la vidéo les potes, on va parler de la surprise que Fortnite sont en train de faire pour toutes les personnes qui ont le pass de combat saison 10. Et vraiment c'est pour ça que Fortnite c'est la meilleure communauté entre guillemets. Tout simplement les gars, toutes les personnes qui ont le pass de combat saison 10, vous allez recevoir une nouvelle récompense gratuite. Et ben je vous le mets directement à l'écran, c'est ce chat les gars tout noir. Alors attention, ça fait 6 mois je me suis pas connecté à Fortnite, il y a peut-être moyen que ce chat noir est déjà sur le jeu alors que je vous parle. Sinon s'il n'est pas encore sur le jeu, tout simplement normalement ce chat noir, toutes les personnes qui ont le pass de combat saison 10 va l'avoir gratuit. Donc c'est un nouveau modèle de à peu près de ces chats là qui sont déjà sur le jeu normalement. Et d'après ce que j'ai vu sur Reddit, il pourra changer de couleur. Donc par exemple tu pourras le mettre en vert, en violet, etc, etc, toutes les couleurs que tu veux. Donc c'est quand même plutôt cool. On voit vraiment que Fortnite, même au pass de combat saison 10, sont toujours investis sur leur jeu, investis pour les joueurs. La force de Fortnite, excusez-moi, toujours des cadeaux pour les joueurs. Et nous bah ça nous fait plaisir, on dit pas non un petit nouveau sac à dos de notre collection. Donc bah voilà. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura fait plaisir. J'espère que vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. Restez jusqu'à la fin parce que je dois vous dire quelques petits mots. Tout simplement, je pense que vous l'avez vu, j'ai été très très inactif en ce moment. J'ai eu des gros problèmes de santé.
Donc bah j'ai préféré me soigner que faire des vidéos, je pense que c'est plutôt logique. Et à partir de toute la semaine, toutes les vidéos reviennent sur la chaîne. Donc il y aura une vidéo par jour, normalement. Donc soyez présents sur la chaîne, ça va être un truc super cool. Il y aura pas que des vidéos formation Fortnite, il y aura des vidéos créatives, il y aura des vidéos avec des abonnés, etc. Des lives, oui, des lives sur la chaîne, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Et ça va enfin arriver. En tout cas, je vous dis merci à tous qui sont encore là sur la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je vais pas abandonner cette fois-ci, c'est vraiment mon grand retour. Et donc bah voilà. En tous les cas, j'espère vous souhaiter à demain pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.